Salut à toutes et à tous, c'est Zoavix et aujourd'hui on se retrouve sur Raider Z. Alors pourquoi je fais cette vidéo sur Raider Z aussitôt? Car tout simplement je viens d'apprendre une nouvelle décevante qui va beaucoup décevoir à beaucoup de personnes qui jouent à Raider Z. Donc Raiders, comme vous le savez, va fermer dans un mois. Je viens de l'apprendre juste maintenant quand j'allais démarrer mon épisode. Et j'ai dit mais merde, comment ça se fait, etc. J'étais me renseigner sur le forum, mais à ce qui paraît, en fait, ils attendaient plus de joueurs pour ce jeu, en fait. Et s'il y aurait eu beaucoup plus de joueurs, eh ben Raider Z n'aurait pas fermé. Donc là, franchement, je suis super déçu. Ça faisait au moins un an que j'y jouais. J'étais à fond dedans. Ça me dégoûte de pas avoir joué plus longtemps. Et en plus, du coup, il va falloir que j'arrête le Let's Play sur Raider Z. Et ça, c'est le point qui me déçoit encore plus. Il n'y aura plus d'aventure sur Raider Z. Désolé. Et ouais, c'est la fin. Donc là, sûrement que ça sera l'avant ou dernier épisode que je vous fais sur Raider Z. Donc on va essayer d'en profiter un maximum. Donc ben, on va continuer la quête, même si ce sera les dernières. Et j'espère qu'on va s'amuser pour ce dernier épisode. Et ben franchement, je peux vous dire que ce jeu va manquer, mais à mort. Je m'étais bien éclaté dessus, car c'était le seul jeu que je trouve qui ressemblait à Monster Hunter. Après, c'est mon avis, mais... franchement, c'était le seul jeu que j'appréciais beaucoup, que je passais beaucoup de temps sur ce jeu. Tous les autres MMORPG, j'y passais pas autant de temps. Donc franchement, s'ils devraient réouvrir ce jeu, ce serait pas avant longtemps, je pense. À moins, c'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai créé ma chaîne, c'est parce qu'au début, je voulais qu'il y ait plus de monde sur Raider Z, premièrement. Mais pas que, hein, donc sur d'autres MMORPG, que le MMORPG se fasse connaître et pas que du World of Warcraft. Car souvent quand on parle des MMORPG, on parle de World of Warcraft alors que c'est pas du tout ça. On va dire que World of Warcraft c'est plutôt la référence des MMORPG. C'est plutôt un MMORPG en général. Mais je peux vous dire que les MMORPG c'est pas du tout ça. Donc voilà, franchement je suis vachement dégoûté. J'aurais préféré passer encore plus de temps sur ce jeu car il va beaucoup me manquer. Donc pour ceux qui savent pas encore quand il va fermer, eh ben il ferme le 30 août. Donc je peux vous le dire, profitez pendant que vous pouvez encore jouer. Moi là je vais profiter à max. Et ben je pense que ça va être le dernier épisode. Donc ça me dégoûte assez parce que du coup j'aurais pas pu finir ce let's play. Et ben voilà, je suis dégoûté. Franchement, je suis dégoûté. Eh ben, j'en aurais passé des moments avec vous sur ce let's play, sur ce jeu. Mais c'est pas grave. On va, donc, du coup... oui, pour ceux qui se demandent pourquoi je ne suis pas avec mon coéquipier, donc, normalement, c'est un let's play coop. Pourquoi je ne suis pas avec mon coéquipier, car je n'ai plus du tout de nouvelles de lui. Et je ne sais pas ce qui est devenu, je l'ai même plus en ami sur Skype, je crois, à moins qu'il ne se connecte plus. Et donc, j'ai dû faire l'épisode solo, et c'était un épisode à l'improviste, donc j'ai pas pu l'appeler et arranger le truc. Donc c'est pour ça. Alors, ok, donc là, on va continuer ce let's play, on va continuer cet épisode. Et donc, pour cet épisode, on doit... détruire le Goblin Golem's Weapon, donc qui se trouve, je ne sais pas, attendez, hop, je prends une petite popo, ok, le Goblin Golem's Weapon se trouve devant nous, je ne sais pas c'est lequel, alors, on va falloir le trouver à la main, donc non, ça c'est des ringots, donc je me demande où ils sont ces petits gobelins. Ah non, lui je l'aime pas, t'es pas beau. Ah. En plus, je crois que c'était un boss ou... Non, c'était pas un boss, c'était un monstre pour une quête, ça. Voilà, tu crèves. En plus, ça faisait un bail que j'avais pas joué à Raider Z. Vu que, comme je vous l'avais dit, fallait
Pendant ma pause, je n'y ai pas joué. Et en dehors du let's play, je n'avais pas encore joué, donc voilà. C'était pour ça. Oh, fais chier! Non, crève. Putain, il me gangbang, ces enfoirés. Bon, ok, je reprends ma vie et vous allez me flay! Ou pas. Ouah, c'était quoi ça? Bim! Dans ta face, bâtard! Je vous prends vous tous, moi, vous quatre en même temps! Je peux pas me tester, bim! Essaye même pas de tes Zoavix! YOLO! Bim! Bam! Allez, toi, je t'ai fini avec lui. Tu vas rejoindre ton copain Dragon et ton copain Ringot. Voilà, bah, je les ai finis en un rien de temps. Oh, une arc! Bim! Ah, j'aime pas trop les arcs, en fait. Non, c'est pas beau, les arcs. Oula, j'ai un bug. LOL, j'ai un bug. Bon, ben, va falloir que je me fasse kill. Ok, c'est super cool ça, les bugs dans un truc. Je ne peux quasiment rien faire. Faut que je me laisse tuer, voilà. C'est tout. Ah, c'est bon, j'ai récupéré mon truc. Vite, F3! Bon, toi, petit raptor, tu vas pas me faire sou... Dégage, dégage, dégage. Tu vas pas me saouler longtemps. Je vais activer tous mes skills dans ta face. Biatch! Bim! Et bim! Voilà. On a fini avec lui. Donc. You hacker the quest? Non, oh, c'est quoi ça? Ouais, attends. Et comment on... Ah, comment on paye? Spécius, vu quoi ce détail? C'est quoi ça? Déduire le chemin tectonique. Bah d'accord, j'ai envie de dire. Lol. Ok. Donc, ils sont où ces Goblin Golem Weapon? C'est ça les Goblin Golem Weapon? C'est quoi ça? Golem Weapon. Je ne saurais pas dire. Goblin Golem Weapon. Je pense que c'est un objet qu'on doit récupérer. Après, peut-être je me trompe. Non, attends, non, 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 tu vas pas crâner longtemps, tu dégages. Voilà, tu me laisses tranquille, je t'ai rien fait. Je te laisse en paix, donc tu me laisses en paix. Ok? Est-ce qu'on est d'accord? Bâtard. Voilà. Alors. Massive Ring. Ça m'arrange toujours pas. Donc, 2 minutes. Je fais une petite pause et je vous reprends quand j'ai trouvé ce qu'il faut faire dans la quête pour pas perdre de temps. Eh bien, re tout le monde. Donc, j'ai trouvé la solution. Donc, en fait, il faut récupérer du ringot métal solvant, comme ici. Ah, merde. Donc, et ce ringot métal solvant va nous servir à détruire les weapons et les armures des gobelins. Donc, car c'est impossible pour un humain de les détruire. Alors, en fait, il faut en trouver 3, du coup, je pense. Et donc, pour l'instant, j'en ai trouvé qu'un. Hop. Donc, peut-être que lui, il va en avoir un, peut-être. Maybe, non. Ok. Donc oui, donc j'ai trouvé moi-même car fallait que je cherche longtemps, mais j'ai pas trouvé dans Internet la solution. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et en plus c'était en anglais, donc j'ai rien compris du tout. Donc j'ai juste vu que, en fait, j'étais en train de tuer des mobs et là j'ai vu qu'il y avait du Ringot Metal Solvant et j'ai un peu lu la quête et j'ai vu qu'il fallait justement du Ringot Metal Solvant. Donc ça doit être ça. Alors attendez, hop, toi tu crèves. Ok, donc on va tester si c'est bien ça, excusez-moi. Alors, je pense que c'est ça, voilà. Voilà, regardez, ça marche. Donc c'est super. Et maintenant, il faut en trouver 2 autres. Ok, c'est super ça. Hop. Toi, viens par là. Est-ce que t'en as? Tu peux m'en donner, s'il te plaît? Je ne te ferai aucun mal. Juste te tuer, te martyriser, t'enfermer dans ma cave et te brûler vif, connard. Bim! Bim, bim et bim. Est-ce que tu en as? Ouh oui, toi je t'aime. Tu vois, quand tu lui donnes des menaces, il t'écoute bien, hein? Mais non, quand on lui demande gentiment, elle lui dit non. Bah ok, bah super. Y a pas de problème si t'es suicidaire. Bim.
Ça n'empêche, ce jeu va me manquer, va beaucoup me manquer, franchement. J'étais en train de jouer plein de fois, juste abusé. Je m'amusais, franchement. Et là, d'un coup, je regarde, le jeu va fermer le 30 août, comme ça. Ça me dégoûte, franchement. Oups, non, j'ai trouvé une carte. Je sais pas comment je l'ai eu, mais j'ai trouvé une carte. Sûrement des cartes à collectionner, ça doit être un event. Là, vite. Hop, là. Je reprends ma vie. Est-ce que eux, ils en ont? Alors, hop. Est-ce que t'en... Ah, super. Ok, bah on en a trouvé deux autres. Donc, c'est parfait. On aura fini notre quête. Bah, c'est parfait tout ça. Voilà. Et l'autre... Il est où l'autre? Ok, il est là-bas. Donc, faut s'occuper des ringots qui sont autour. Sinon, ils vont nous gêner. Bim. Voilà. Toi, tu vas crever, bâtard. Voilà. Ok. Donc voilà. Ah, en plus on a notre mois, donc c'est parfait. Si je me rappelle bien, normalement. Il est où notre mois? Il est là, ok. Voilà, allez, bon bah c'est parti. Il faut se gérer ou Goldblin. Ok, c'est parti. Ah, par contre, vu que ce mois c'est celui qu'on vous offre, on peut pas avoir du speed. Avant, on pouvait avoir un skill, c'est du speed, mais là, on peut pas l'avoir, je sais pas pourquoi. Bon, on va mettre un peu de musique. Oh, oh, oh. Oh putain! Y'a au moins 20 ringots mineurs qui est en train de me courser! What? Mais vous voulez quoi? Dégagez! Dégagez! Au secours! Fuck, 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 fuck! Merde, merde, merde! Oh c'est bon. Ils m'ont laissé tranquille. Putain, mais vous auriez vu, il y avait au moins 20 ringots qui me coursaient. Quest complète. Ok. C'est quoi ça? Un gotmin, ok. Et ça c'est quoi? Quest complète, ok. Alors, ringot mineur, ils sont où les ringot mineurs? Ah ouais, bah justement c'était ceux qui étaient en train de me courser. Bon bah je vais me venger sur eux. Vous êtes où, bande de bâtards? Ah bah y'en a un là. En plus il est solo donc je vais me le faire easy. Bim. Putain, faut que je me trouve des combos parce que là, c'est terrible. Je fais des combos de merde. Voilà. Un de fait, plus que neuf. Faudrait se les prendre dans le paquet en fait. Allez, venez. Toi, tu viens. Toi aussi. Toi aussi. Ok, bon bah venez. Bim, les 5 en même temps, ça rate. Wouah! Je crois que je me fais aller, je vais mourir comme une merde, je le sens. Ça c'est prévu en fait, c'est dans ma destinée. Ou pas, non, je veux voir rien! Wesa! Bim! Crève, crève! Foiré de ta mère! Bim, allez, hop! Voilà, je me l'ai fait easy. Ok, bah c'est parfait, bon, on va se faire la même. Avec encore plus de ringot mina. Parce que nous on est des combattants. Par contre, on va prendre une potion, ça serait bien ça. Bim! Ce qui est bien en fait, c'est que j'ai des skills de groupe. Du coup, je me les fais les 4 en même temps. C'est super ça. C'est quoi ce kill? J'ai jamais compris à quoi il sert. Bim! Voilà, un de fait. Et toi aussi. Vous allez crever vous deux. Allez, venez, venez par là. Venez voir papa. Bim. Bim. Ah, lui, c'est le seigneur. Ah, fais gaffe. Il est encore plus facile que les autres, mais bon. Voilà, tu crèves. Hop, hop. Monster Boutique Open. Ouais, je me disais bien, c'était... Ok. Donc, on a fini.
Hop, j'invoque mon Moa. Alors, oh, en plus, ils sont juste à côté les quatre, donc c'est bien. Ça, c'est parfait. Attends, en plus, j'ai remarqué, il n'y a plus beaucoup de personnes. Là, je suis en train de regarder dans... Autour de moi, il n'y a personne dans le jeu. Je sais pas si c'est un bug. Mais d'habitude, il y a beaucoup plus de monde que ça. Pourtant, je suis dans le canal 1. Je ne comprends pas. Ils sont tous partis. Ça me dégoûte. Je comprends pourquoi ils ont fermé, hein. Il n'y a plus personne. C'est quoi ça? Find Scoop. Ouais. Non. Bon, pas grave, j'accepte quand même. Hop. Complète. Ok. Ah voilà. Golem engine fragment. Voilà. 10 marchands. 10 parcs les covets. Ok. Defeat the Goblin Golem and deliver the Goblin. Oh putain, ah ouais, ça c'est en fait. Ah, mais non, ah ouais, bah non. Vu que ça, faut le faire en équipe. Mais c'est vrai que ça va nous donner beaucoup d'XP si on réussit. Is an epic monster, partie of the... Ouais, ouais, donc ouais. Je pense pas que je vais réussir. Donc, on laisse tomber. Et lui, qu'est-ce qu'il me donne comme quête? Ok, ça aussi, faut le faire en groupe. Donc c'est mort pour nous. Alors, on doit retrouver le scout Lindahl qui se trouve là-bas. Et après, je sais pas ce qu'il faut faire. Donc on verra bien. Alors, du coup, vu que je, ben, vu que Rider Z est fini, que ça sera le dernier épisode, je vous propose de me donner quelques jeux à faire pour mon prochain Let's Play. Donc d'ailleurs, ça tombe bien vu que je devais finir un Let's Play pour en commencer à nouveau. Je vais pas dire que je me réjouis, mais bon, ça tombe bien, on va dire. Donc, vous pouvez me dire vos jeux que vous me conseillez dans les commentaires. Par contre, je prendrai pas de Reckoning, ça c'est mort. J'aime pas, c'est tout. Et pas un jeu super long, un jeu qui se finit assez vite, un petit RPG assez vite. Donc, soit comme Borderlands 2, donc un RPG MMO, ou soit bah, donc un RPG comme Zelda ou autre. J'ai envie de dire. Et donc voilà, donc faites vos propositions et je choisirai. Et si le jeu me plaît, eh ben je le prendrai pour mon prochain let's play. Ah merde. Oh merde, il me course lui. Non, arrêtez, mais laissez-moi tranquille, bordel. Ok. Donc ça se trouve là-bas. D'accord, je pense que j'aurai jamais atteint le level 40. Ça me dégoûte. J'ai raté ma vie. À moins qu'en un mois j'arrive à atteindre le level 40. Je pense que c'est faisable. Je vais essayer. Défi du jour. Par contre, je filmerai pas. Hein. Je vous le dis. Là, je vous le dis maintenant, c'est le dernier épisode. Donc c'est pour ça, donc sûrement que la semaine prochaine, bah, il y aura du Borderlands 2. Et donc le proche. Bah, donc la semaine prochaine qui va venir encore. Ça sera ben, le jeu que vous m'aurez proposé. Ok. Il est là, quoi, complète. Okay. Ah, dégage. Ok. Ah bon. Ah, mais dégage. Mais c'est un fou, lui, laisse-moi tranquille. Eh, vous imaginez lui comme animal de compagnie, on pourrait monter sur son dos et tout, ça défonce. Hop, hop. Bim. Et bim. Et bim. Voilà, toi, je t'ai fini. Et toi, de même, toi tu vas crever en vite fait. Bim et bim. Ok, c'est fait. Non, je ne veux pas d'arc. Alors. Mais d'où il spawn? Comment il y a spawn? Franchement. Tu dégages, franchement. Eh non, mais ça commence à m'énerver, ça, les mecs qui spawnent comme ça devant moi, de nulle part. Il vient de traverser le mur, là, j'ai pas rêvé. Bim, bim et bim, voilà, ok, c'est parfait. Ouh, ok, donc maintenant, la quête, eh ben, vous l'aurez compris, c'est défoncer le Goblin Golem. Et j'espère que ce boss sera easy, sera facile à battre. Donc, je vous propose de s'attaquer à lui maintenant.
Oh putain, il est level 15, je sens qu'on va se faire défoncer. Wouah! Ok, c'est parti! Maintenant, ça va jouer entre toi et moi, sale gobelin golem. Hop. Je sens qu'il va faire une attaque spéciale. Je le sens, je le sens, je sais pas. Bim! Aïe! Vite! Allez! Je sais qu'on peut le faire! Waza! Bim! Oh merde, en plus... Mais c'est qui le contrôle là? Ok, c'est un... Ok, d'accord. En fait, c'est quelqu'un qui le contrôle. Oh, je lui fais pas perdre beaucoup de points de vie. C'est abusé. Non, je pense pas qu'on va réussir. Oh! Bim! Yaza! Allez, pour mon retour, ça c'est pour mon retour. Et c'est pour la fin de Rider Z, je veux le battre! Wow! Ok, on reprend nos points de vie. Et on y retourne! Bim! Ok, ya! Bim! Hop, et da! Ok, ah, ça, j'ai on lui a fait perdre beaucoup de points de vie. Aïe! Vite! Faut counter ses attaques! Ah, j'ai plus de points d'SP, merde! Bim! 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 Ya! Ta 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 ta! Faut qu'on le batte. Faut qu'on le batte pour cette fin d'épisode. Pour ce dernier épisode, faut que je batte ce boss. Et bim! Oh yeah! On l'a battu les amis. Alors que normalement, normalement on devait le faire à deux ou plus. Donc je l'ai battu solo, c'est super ça. Ça, dans les moments comme ça, j'ai envie de dire, fais-toi la serviette. Ok, je vais me prendre. Alors, on a trouvé quoi? The source of the golem power, you can feel in strings. Ok, je ne comprends absolument rien. Mais on s'en fout. Akir Hall, voilà, on a fini la quête. Donc, on fait sortir le champagne. Et ça gère, franchement, ça gère. J'aime bien quand ça fait comme ça. Et je pense qu'on va passer... Oh, je ne sais pas lequel choisir. On va prendre l'iron. Oh! Bah c'est super ça, on est passé au level 15. Ok. Oh alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme skill? Ink was full, block, success rate. Non, ça c'est quoi? Attaqueuse, ennemi ou stun. Shield bash, pommel. Ça c'est quoi? Une counter-attaque. Non. Inflige dommage. Alors, ouais. Skill point de défendre. Ok. Alors, moi je pense qu'on va augmenter plutôt notre attaque. Non, attends. Je vais voir c'est qui le mieux. Lui, ça fait quoi? Lui, ça fait ça. Et lui. Ok, bah donc on va augmenter le troisième. Non, je ne vais pas prendre l'arc. Ah, merde. Ah oui, c'est vrai. Comment on fait déjà? J'ai oublié. O, P, O, Q, 1, faction, skill. Ouais, ok. C'est bon, j'ai trouvé. Hop, voilà. Et bah c'est super ça, on est passé level 15. Et en plus on a battu un boss, donc on peut être fier de nous. Alors, je suis en train de voir là. Ok, ils sont là-bas. On va prendre notre moi. Moi. Tu es là. Et on va se rendre aux quêtes qui se trouvent là-bas. Ouh, eh ben. On est coriace. Enfin, il était coriace, je veux dire. Parce que nous, on faisait pas le poids. Heureusement que j'avais des potions de santé, sinon j'aurais été mort 2 minutes. Ok, c'est super ça. Ah, n'empêche tous les trucs que je vais rater sur Rider Z. Ah, quand j'y repense, ça va manquer, ça va manquer. Je vais rater. On n'aura pas pu prendre notre loup de compagnie, parce qu'on devait avoir un loup de compagnie. On n'aura pas pu XP level 40. On n'aura pas pu découvrir les quêtes. Et du level 40, on n'aura pas pu avoir les armes du level 40. On n'aura pas pu découvrir les boss. Surtout ça qui me dégoûte en fait. Parce que normalement, il y avait un super grand boss au level 40, donc. Et il y avait l'air d'être super courage. Je voulais vraiment le tester. Ben là, je pourrais pas. Ça me dégoûte franchement.
Là, je me redis encore une fois que faut pas que j'abandonne un jeu comme ça, faut pas que j'arrête les vidéos comme ça. Parce que là, on aurait pu bien avancer les vidéos si j'aurais pas. Enfin, avancer dans nos XP si j'aurais pas arrêté les vidéos. Et fait des vidéos plus régulièrement. Et donc, ça me dégoûte vachement. Ouais, voilà. Là, ouais, on dirait que je déprime, mais voilà. C'est abusé quand même. Du jour au lendemain, un jeu s'arrête comme ça. En même temps, tu me diras, il était free to play. Donc c'est sûr que, sûrement que les développeurs n'ont pas pu financer ce jeu. Qu'il n'y avait pas beaucoup de gens pour payer sur le jeu. Donc c'est sûr. Mais après, voilà. Je pense qu'ici, il aurait été payant. Il y aurait beaucoup plus de monde. Et beaucoup plus de... Enfin, il serait resté ici, quoi. And move to the wingot sanctum. C'est quoi ça? Non, ça c'est pas important. Et ça c'est quoi? Ok. Alors, visite Valle... Oh, je suis arrivé à Valeovero. Bah c'est super. Donc on passe un level, on bat un boss, et on arrive dans une nouvelle ville. Ok, super. Alors là, Valeovero, si je me... Ok, bon, bah, on a qu'à suivre la flèche en fait. Ok, bah c'est super, on aura au moins découvert une nouvelle ville. Et après, on doit trouver un mat sorcier urène. Ok. Bon, bah, c'est parti, hop. Un peu de musique pour détendre l'atmosphère. Oh, il peut pas aller plus vite, lui. Bon, je vais pas me plaindre parce qu'avant j'y étais à pied et je me plaignais. Et là, comme par hasard, quand j'ai le mois, je me plains encore. Faut que j'arrête de me plaindre. Attends, on va pas retourner à Terrace Plain. Ah, sûrement que en fait, Valley Sovero, faut passer par Terrace Plain avant d'arriver à Valley Sovero. Ok, j'ai pigé. Re tout le monde, donc désolé, un petit problème. Avec ma famille. Donc ils sont rentrés à la va-vite. Faut que je les prévienne avant. Donc excusez-moi. Donc là on va se diriger vers Valley Sovero. La nouvelle ville. Et alors, faut d'abord trouver Léo. Ok, elle est là-bas. Ah ouais, elle est complètement à l'opposé de nous. Ok, c'est super. En plus, ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu à Terrace Plain. Ok, et j'espère qu'à Valley of Hero, on pourra faire une petite quête avant de se quitter pour ce dernier épisode. Ne soyez pas triste. Mais pas grave, hein. Et donc je reste toujours là, moi. J'ai encore mes autres vidéos, mes autres let's play. Ce n'est pas grave. Donc en plus, let's play, je pense que vous le pensez aussi. Il a duré trop longtemps, plus de 6 mois hein, environ, pour que seulement 14 épisodes, c'est énormément beaucoup. Donc voilà, je pense que ça sera mieux pour tout le monde qu'on arrête sur ce let's play. Donc c'est pas de ma faute, hein, je vous le dis, c'est à cause d'Arrête, sinon je l'aurais continué. Mais voilà, je suis désolé de vous dire ça. Donc pour ceux qui regardent cette vidéo après la fermeture de Raider Z et que vous n'avez pas encore testé Raider Z, je vous le dis, vous avez raté un grand truc. Voilà, vous avez raté un gros truc. Je pense que vous en voudrez toute votre vie même, car vous avez raté un jeu superbe. Et voilà, donc ça me dégoûte. Je suis dégoûté. Je suis blasé. Je suis blasé. Allez. Est-ce qu'on y est presque? Ok, c'est tout droit. Ah, Find Mad Sorcerer. Ok, bon bah Valley Sofero est droit devant nous. On y est presque. On y est. Allez. Oui. Ok. Ah, ok. Je vois le genre. On dirait plutôt une ville assez sobre. C'est pas du tout comme je l'imaginais. Je pensais que c'était une ville avec plein de pavillons et tout.
Mais non, c'est pas le pays des bisounours. Là, c'est le pays plutôt de pays Gucci, voilà, c'est tout. Alors, on va découvrir ça maintenant. Ouais. Pourquoi ça prend aussi longtemps? Ça me fait flipper. Ok. Pourquoi ça dure aussi longtemps? C'est normal? Ah, j'espère que mon jeu y a pas à prendre. Ah non, ah non, tu peux pas me faire ça. Ah non, pas maintenant. Oh, fuck that shit. Mais de fuck quoi, pourquoi ça me fait ça? Bon. Si dans 5 secondes, ça marche plus. Bah je pense que je vais faire une petite ellipse. Ok. Je vois le genre. Bon. Ben, je vous propose de faire une petite ellipse et le temps que je redémarre Rider Z et je vous dis à tout de suite. Re tout le monde. Donc voilà, j'ai redémarré Rider Z et là on se retrouve sur Valleys of Hero. Donc vous voyez bien, donc c'est assez sympa en fait. Je croyais que c'était carrément avec plein de tombes et tout, mais non, ça va, c'est pas mal je trouve. Et ça fait découvrir une nouvelle map, donc ça fait assez bizarre. Donc là, ah bah si en fait, je retire ce que j'ai dit. À peine on rentre dans la ville, il y a des squelettes qui nous accueillent. Bah, c'est super, j'ai envie de dire. Donc on va aller compléter cette quête. Et bah donc voilà, on va aller un peu visiter la map en même temps. Waouh. Bah moi je trouve que c'est assez beau, c'est pas mal. Attends, on va aller battre un petit squelette hein, pour voir ce que ça fait. Ah ouais, par contre, c'est level 16, ok. Bim. Biatch! C'est pas un petit sac d'os qui va me faire mal. Bim! Dans ta face, bâtard! Et voilà, ok. Bah, ils sont assez faciles, ces petits meubles de Valley Sofero. Bon. Elle est où cette quête? Attendez. Vidéo, ok. Non, j'ai rien dessus. Ouais. Des zombies? Ça commence à me faire flipper. Ouais, c'est plutôt un endroit assez glauque. Très 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 glauque même. J'en ai la chair de poule. Ok. Bon bah dommage qu'on pourra pas visiter cet endroit. Bon. On a terminé cette quête, on a terminé ce let's play, on a terminé cet épisode. Donc les amis, je suis désolé de vous quitter sur ces mots dans Rider Z. Terminer ce let's play sur Rider Z va me dégoûter, ça me dégoûte quoi. Je suis franchement désolé. Donc ben j'espère que cette aventure sur Rider Z vous aura plu, que ce let's play sur Rider Z vous aura plu. Que vous pourrez en profiter pour ce dernier mois de test sur Rider Z à max. Pareil, moi je vais profiter à max sur ce jeu pendant ce dernier mois d'août. Et bah donc je vous dis à la prochaine les amis. Et n'oubliez pas de mettre votre jeu, votre proposition de jeu, donc RPG ou MMORPG ou FPS RPG, comme dans Borderlands 2, dans les commentaires. Et donc de liker aussi la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour la suite, bah donc pas du let's play vu qu'il s'arrête, donc pour la suite de mes vidéos et pour être au courant de tout ce qui se passe sur ma chaîne. Et donc je vous dis à la prochaine, bye tout le monde!